district de Sepahua, qui appartient à la province Atalaya dans la région amazonienne Ucayali, est une partie importante de l'ensemble qui joint certaines localités comme Atalaya, Sepahua, Camisea, Las Malvinas, Ibochote, Pongo de Mainique et quelques autres endroits importants. Rencontrons cette fois Puija, une communauté avec des traditions et des coutumes indigènes. Y somos los auténticos Jenny del Perú, ¿o te asustas? Puija est le nom d'un village indigène dans le district de Sepahua, peut-être un des plus importants du bassin du fleuve Urubamba, du fait de la présence du groupe ethnique Yine, connu aussi sous le nom de Piro, lesquels conservent des traditions ancestrales caractérisées par une perception de la vie qui laisse une place importante à la fantaisie. Située à 140 km de la ville Atalaya et à 26 km de Sepahua, avec une altitude de 270 mètres, Puija compte à peu près 800 habitantes, répartis dans 6 quartiers. La Jungla, Pajuya, San Pablo, Delfines, Centro et San José. Ils célèbrent la fête anniversaire du village le 22 août, avec plusieurs activités où participent les habitants qui aiment boire le masato, la boisson traditionnelle de l'Amazonie péruvienne. Le village où habite la communauté tient son nom d'une rivière située aux alentours, où vit un poisson très connu des Amazoniennes, la raie, qui est très grand du fait des fortes douleurs survenantes lorsqu'on marche dessus. C'est un des quartiers les plus intéressants de la communauté, du fait de la présence exclusive du groupe ethnique Machigenga. Nous avons été accueillis à cette occasion par la famille de Timoteo Merino, qui nous a raconté que Jungla est le nom d'une sorte de hutte typique, qui a une forme circulaire, procédé de construction complexe, qui demande des matériaux rares. Ce quartier, contrairement à d'autres, est encore très boisé. L'artisanat à base de coton est caractéristique de la jungla. Les natifs produisent le coton et le colorent avec des colorants naturels. C'est comme ça qu'ils élaborent des objets comme les aparinas, pour transporter les bébés. Hamac, sac, et bien sûr la kushma, une sorte de tunique traditionnelle utilisée par les natifs des deux sexes. Il faut préciser que les kushmas masculins ont des figures en ligne verticale, alors que celles des kushmas féminins sont en ligne horizontale. Ce sont exclusivement les femmes qui produisent des tissus et produits textiles, en tissant habilement les fils de coton préalablement colorés, elles représentent des figures inspirées de la nature. Pescado. Es de pescado. De pescado. ¿Y a qué pescado, pero? Este de río, pues. Boquichico. Boquichico, ok. Su escama. Ajá. Mónica, ¿yo parió? Sí, sapo. Este de acá. Este, ¿cómo se llama este? Ajá, ¿cómo se llama? Abuiva. Este, gusano abuiva. Ya. Ah, eso. Claro. Yo parió. Encima tendrá. Encima tendrá. Sí, claro que digo. Con el combo. Hay un picaflor grande, este color este verde. Este es su simboliza de acá. Ay. ¿Vos imaginez-vous habillé avec ces vêtements? Avez-vous une idée de leur prix? Une kushma avec des figures nettes et soigneusement élaborées peut coûter jusqu'à 500 soles.
Une pièce moins chère n'a pas de figure très nette. Vous coûtez 300 soles. Moi, personnellement, je crois que c'est le vêtement idéal. Quand il fait chaud, on sent fraîcheur. Quand il fait froid, ça réchauffe suffisamment. Aimeriez-vous en acheter un? Allons maintenant au centre de Puija. Ce sont Monsieur Segundo Espinosa et sa famille qui nous accueillent. Segundo, l'ancien chef de la communauté, appartient au groupe ethnique Yine. C'est un homme cultivé et très motivé pour diffuser la culture du village. C'est là même qu'il a transmis à trois de ses fils, Esdras, Israël et Tito, qui sont actuellement guide touristique de l'institution Carlos Laborde, un centre d'éducation supérieure dirigé par l'ordre des Dominicains de Sepahua. La famille Espinosa possède une collection de pierres de différentes formes, couleurs et textures, réunies grâce aux nombreuses années vécues ici. Mira, esto es en español su, pero en nuestra en habla, en nuestra etnia es su. Comme on le disait au début de ce reportage, les habitants de Puija ont une culture imprégnée de fantastique. Ainsi, leurs histoires apparaissent comme extravagantes pour les visiteurs. Mais pour les habitants, ce sont des faits avérés qu'ils racontent d'une façon très convaincante. Voici quelques histoires fantastiques de la communauté. La légende du lutin de la colline, le mythe de Paloma Machaco, le mythe du tigre manada, le chapchico, etc. Ils nous ont aussi raconté que quelques jours avant notre arrivée, un monstre inconnu avait détruit le bord du fleuve Urubamba, avant de plonger au fond de la rivière dans un grand fracas. Écoutons maintenant Segundo, qui raconte une partie d'une histoire. Ya está bien, si tienes fuerza, hoy te voy a mostrar que te voy a despedazar en un instante. Te boto en esa raíz, ahí vas a despedazar. ¡Pum! Le disparo, cayó el duende muerto. Y él también ya pues medio loco cayó casi como semilla. Pero ese hombre ya después tenía fuerza, como ahora se sabe de sus karate. Él podía romper una piedra así nomás a mano, ¿no? Le daba un golpe a una piedra así largo, ¡pum! Como nada le quebraba. O sea que le ha dado la fuerza, dice el demonio. Pero el demonio le seguía, le perseguía en todo lugar. Si se iba al monte, ahí estaba el muchacho. Y finalmente hasta que un día le ha muerto ahí a la persona. La richesse touristique de Puija offre aux visiteurs de multiples expériences inoubliables. Folklore, la vie quotidienne des habitantes et des paysages magnifiques. Nous visiterons des environs d'une des plus grandes, spacieuses et mieux conservées rivières de la forêt, la rivière Chambuyaku. Nous explorerons de la forêt afin de profiter de la diversité des plantes et des animaux qui y résident. Un papá sí. Ya, un papá sí que es. Ese lo ha hecho. Ese, mira, todito le ha cortado. Ahí la tumba. Interesante. Como cierre, pues. Sí. Marcher le long des bords de cette rivière serait une tâche trop longue. Car une des principales caractéristiques des fleuves et des rivières amazoniennes est leur sinuosité. Nous traverserons donc la propriété d'un voisin pour profiter du raccourci. En marchant près de la rivière, on rencontre un petit affluent où l'on peut admirer une cascade. Malheureusement, nous sommes arrivés en période sèche.
nous n'avons donc pas pu profiter pleinement de la beauté du paysage. Malgré cela, on imagine bien une voile d'eau tombée pour alimenter cet affluent. Tout ceci étant bien sûr l'œuvre de la nature. Une autre zone intéressante pour les visiteurs est Sopla Picchu. Il s'agit d'un ensemble de paysages composé d'une colpa de perroquets, la plus étendue du district de Sepahua. De la colline Mirador Machin et d'une petite rivière. Monter la colline nous offre une magnifique vue de ce manteau vert que forme cette jungle du Bas Urubamba. On peut aussi y reconnaître les quartiers et villages du district. Vous profiterez sur le chemin d'une biodiversité extraordinaire, notamment en termes d'herbes et de plantes médicinales. Comme on a pu l'apercevoir, tout est rétendu extraordinaire. Pas seulement pour ses paysages, mais aussi pour la fantastique culture de la communauté qui l'habite. C'est une vraie expérience humaine que vous vivrez. Nous vous invitons à faire cette grande aventure dans un des territoires du cœur du Bas Urubamba, le district touristique de Sepahua.